Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons déballer cette ambulance de poupées coréenne. Et nous allons bien nous occuper de bébé Corolle qui est malade avec cette ambulance. Alors, nous avons ici des autocollants et des petites branchures. On va sortir l'ambulance. Et voici à quoi elle ressemble, vraiment très mignonne, avec de petits lapins dessus. Et le devant est en forme de lapin aussi, avec la croix. Et voici l'autre côté. Et pour l'ouvrir, c'est très simple, on tourne et on rabaisse cette première partie. Et voilà ce qu'il y a dedans. Alors, il y a quelques accessoires ici. Ça, c'est pour la radio. On va voir ça après. Là, on a le lit d'hôpital ou le brancard. Et on va mettre dessus bébé Corolle. Et là, on voit que bébé tient parfaitement. Alors, voici l'autre côté de l'ambulance. Trop mignon. Et là, c'est là qu'il y a la plupart des accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite couverture. Et ça, c'est un masque. On va le mettre sur bébé. Et c'est exactement à sa taille. Parfait. Pauvre bébé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un pansement à scratch. Et là, nous avons un petit sparadrap. Il y a d'autres accessoires ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ici un thermomètre. Là, on a une petite boîte de médicaments. Par contre, on ne peut pas l'ouvrir. Et là, on a de la pommade. Et on ne peut pas l'ouvrir non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons une seringue rétractable. Et ça, ce sont des cartes qui nous montrent des patients avec des infirmiers, des docteurs et une carte de patient. Et dans le lit, il y a également d'autres accessoires. En fait, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un plâtre. Et ça, c'est le stéthoscope. Par contre, il n'y a pas de pile dedans. C'est dommage. On va refermer cette portière. Et on va ranger le reste des accessoires dans cette superbe ambulance. Alors, on a toutes les cartes ici. On doit les mettre là. Et ça, en fait, je crois plutôt que c'est un ordinateur, mais je n'en suis pas trop sûre. Vous pouvez peut-être me le dire. Voici la carte qui vient de tomber et on va la mettre sur le côté ici, dans la petite boîte. Et j'ai l'impression que ça, c'est la réception avec le personnel soignant. Et ça, c'est peut-être la salle d'attente. On va ranger les accessoires. La seringue là, avec le plâtre à côté. Et ça, c'est le livret du patient qui a été délivré par l'hôpital.
Et il suffit de prendre les autocollants, qui représentent des médicaments, et les mettre là chaque fois qu'on soigne bébé. On va en mettre un autre. Voilà. Et maintenant, on est prêt à soigner bébé, comme ça on pourra le remplir. Mais pour l'instant, on va remettre ça dans ce compartiment-là. Et maintenant, il est temps de s'occuper de bébé Corolle. La pauvre, elle est vraiment très malade. On va lui mettre sa couverture. Voilà. Et je crois qu'elle a un peu de fièvre. Pas beaucoup, mais elle en a quand même un peu. Oh, pauvre bébé! On va s'occuper de toi, bébé. Tu as un peu de fièvre. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors, ouvre grand la bouche. Fais voir. Bon, ça va, ce n'est pas trop élevé comme température. Et maintenant, on va lui donner un peu de médicaments. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Voilà. On va maintenant prendre la seringue, car on doit faire à bébé une petite piqûre. Et on va y aller tout doucement pour ne pas faire mal à bébé. Voilà, c'est fini. On va lui mettre son sparadrap. Et la piqûre est terminée, bébé. Oh, je crois que bébé a mal au pied. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, voyons voir. Effectivement, on nous dit qu'il faut lui mettre un plâtre. Vous voyez, il est juste là. Mais on va le faire tout de suite. Et ça tombe bien car on a le plâtre qui est déjà tout prêt. On va le mettre au pied de bébé. Et voilà. La pauvre. Il est temps d'utiliser le stéthoscope pour être sûr que tout va bien avec bébé. Alors, voyons voir. Je n'entends rien d'anormal. Tout va bien. Bébé n'a aucun problème cardiaque. Notre assistante s'est bien occupée de bébé et maintenant on va la laisser dormir. On va ranger tous les accessoires, refermer l'ambulance . Voilà, on referme cette partie et l'ambulance est prête à être transportée. J'espère que vous avez bien aimé cette petite ambulance coréenne pour les poupées de bébé. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.